Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc c'est sur une note baissière que se termine cette semaine, puisqu'après une ouverture ici sur la zone des 5352 points, le CAC 40 a dans un premier temps hésité, on a tenté ici un comblement du gap qui finalement a été partiel, et on est reparti ici sous la zone des 5352 points, alors même si le CAC 40 clôture légèrement plus haut que la veille, puisqu'il clôture à 5327.44 et regagne 0,27%. On reste quand même dans une configuration assez baissière. On clôture sous la bande de Bollinger inférieure. On peut remarquer que la zone des 5312 points que je vous présentais en milieu de semaine comme zone intermédiaire a finalement joué un rôle prépondérant sur l'évolution baissière du CAC. Ce que nous pouvons remarquer aussi, c'est que par rapport à la bougie précédente, nous avons des points bas et des points hauts supérieurs à la bougie précédente. Même si on reste ici sur une bougie rouge, eh bien on pourrait éventuellement partir sur un mouvement de rebond à partir de cette bougie. Du point de vue des indicateurs techniques, ça reste toutefois fortement baissier, avec des histogrammes du MACD ici qui impriment une forte dynamique. Le RSI continue à évoluer suite à sa sortie de la zone de surachat en direction de la zone de survente. Donc on est vraiment dans une direction assez baissière. Il n'y a pas actuellement de signal d'un éventuel rebond. Nous avions ce gap ici, le gap que je vous présentais ce matin, qui a fait l'objet d'une tentative de comblement. Ce comblement est resté partiel, comme je vous l'indiquais en introduction. On est resté ici donc sous le retracement à 23,6% de Fibonacci. On n'a pas imprimé de nouveaux points bas significatifs, mais il semblerait que l'on soit toujours en direction d'un objectif de retour ici sur la zone majeure des 5248 points, avec une possibilité de descendre ici sur la zone des 5205 points, qui représente le prochain retracement de Fibonacci à 38,2%, ce qui est logique suite à une rupture ici du retracement des 23,6%. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, comme nous sommes vendredi. Et là, le signal est vraiment présent. On avait ici cette dynamique haussière qui était ici limitée par ce support oblique qui définissait bien la tendance. Et donc, on enjambe ici ce support sur un gap, le gap donc de rupture que l'on voit en daily. On le voit aussi très bien en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, ce que l'on peut voir aussi, c'est que nous avons ici donc une forte dynamique haussière qui consolide certes, mais qui vient ici chercher donc une zone technique, la zone donc des 5312 points, pardon. Mais on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste potentiellement sur du moyen terme, sur un mouvement haussier. D'ailleurs, on a pu le voir sur la configuration, on a consolidé quelque part que sur le retracement des 23,6%. Donc tant que l'on n'a pas dépassé le 38,2, on peut considérer que on est ici sur une impulsion forte qui consolide, mais qui pour l'instant ne donne pas de signal de retournement. Du point de vue des indicateurs, donc sur cette vue hebdomadaire, on marque quand même le retournement de tendance en court terme, avec notamment ici les histogrammes du MACD qui repassent sur une évolution assez fortement baissière. On reste neutre du point de vue du RSI. Alors, d'un point de vue hebdomadaire, les niveaux à surveiller, eh bien, ce sera éventuellement le niveau des 5248 points. On le voit bien ici sur cette phase. Ce niveau a fait l'objet ici de quelques tentatives lorsque nous étions en phase de stabilité au milieu de l'année 2018. Il avait été ensuite franchi et lorsqu'il avait été repris ici à la hausse dans le courant du mois de mars, on avait trouvé ici que cette zone était redevenue support. On avait eu une tentative ici de cassure, mais qui s'est soldée par une accélération haussière qui avait abouti à cette zone de points hauts proche des 5600 points que nous avons eu récemment. Donc là, on casse la dynamique haussière, on enjambe ici, donc on fait un gap de rupture. On reste pour l'instant au-dessus de cette zone des 5248 points. Et tant que l'on restera au-dessus, on sera toujours potentiellement dans une dynamique haussière, puisque on conservera ici ce niveau en tant que support. Par contre, en cassant ici cette zone des 5248 points, le risque, au-delà d'enfoncer le retracement à 38,2% de Fibonacci, qui se trouve à peu près ici, 5205, eh bien, c'est de continuer sur la prochaine zone majeure des 5059 points. Puisqu'en cas de rupture des 5248, d'un point de vue moyen terme, donc à quelques semaines, c'est objectif retour ici sur la zone des 5059 points. Et là, les choses changeraient puisqu'on aurait retracé plus de la moitié de la dynamique que nous avons mis quelques mois à marquer ici entre donc la fin de l'année 2018 et ces dernières semaines. Donc,
d'un point de vue moyen terme, ce qu'il faudra surveiller, c'est vraiment cette zone ici des 5248 points. Et nous pourrons considérer ici que la dynamique reste baissière tant que cette zone ici des 5486 points, qui représente le point haut de cette semaine, n'aura pas été repris à la hausse, c'est-à-dire une tentative de comblement du gap que nous avons eu ici en début de semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue moyen terme. Si on revient maintenant à la vue daily pour essayer de décrypter ce qui pourrait se passer lundi, alors les niveaux sont relativement simples. D'un côté, on a ce gap qui reste donc partiellement ouvert, des éventuelles tentatives de comblement ou alors une ouverture au-delà de ce gap, si certaines négociations se passent bien et rassurent le marché, pourrait nous donner de bonnes informations. Si on se retrouve directement d'entrée ici, au-dessus de cette zone-là des 5390 points, on pourra viser un retour rapide sur la zone des 5486, voire 5532. Je dis bien si on ouvre au-dessus ici des 5390 points. Par contre, si on ouvre sur la zone des 5352 et que l'on comble après, le rattrapage pourrait être beaucoup plus lent. Et là, ça sera la moyenne mobile 20 exponentielle qui fera office de juge de paix hein, pour une éventuelle reprise de tendance haussière. Par contre, si les cours ouvre ici dans cette zone ou même sous les 5312 points. Alors sous 5312 points, on aura un gap de continuité qui validerait une accélération du mouvement baissier. Donc là, on retrouve les objectifs de la dynamique moyen terme. Par contre, si on ouvre ici à l'intérieur du range, eh bien, il faudra plutôt regarder vers le bas avec donc une éventuelle cassure ici des 5312 points qui pourrait nous signaler donc un retour ici donc programmé sur la zone des 5248 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors, du point de vue des statistiques, nous n'avons malheureusement pas assez d'occurrences sur cette configuration pour définir une statistique fiable. Je ne pourrai donc pas vous dévoiler de statistiques selon cette configuration. Et écoutez, je vous souhaite donc un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.